La personne humaine est une forteresse inexpugnable. I'm all being before d'être toujours prêt à donner et à recevoir. Oui, en début d'émission, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Ya 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 ya. Ya 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 ya. On a dit d'Alice, Alice fit là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu, je l'aime cela. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zin 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 zin, oh yeah, zin 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 zin, oh yeah, zin 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 zin, oh yeah, zin 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 zin, oh 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 oh, pam 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 pam, oh oh, pam 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 pam, oh oh, pam 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 pam. Ouvrons-lui un petit coin de bord, on l'a dit, mais laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Eh bien sûr. Hey, c'était une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui, aujourd'hui. Elle était... Merci les chorales. Au carreau, les carreaux, vous autres, là. Je vous ai demandé, j'ai dit, un beau, là, j'ai dit, c'est une belle histoire, une belle histoire, l'hôtel, c'est ça, vous êtes épouvantables. Je chante très bien, j'ai la voix exacte. C'est Didier Ouvrard, qui est mon impresario, qui m'a dit « Montréal, avec toi, je vais faire une vedette. Il y a de l'argent qui va rentrer. Je sens en toi l'argent. » Hey, Didier m'a dit ça à moi, là. À moi, Reynald Gagné. Il m'a dit en 2009, à Paris, on était dans un bar, là, dans une brasserie, dans une taverne, en tout cas, dans une soulerie. Il m'a dit « Reynald, je sens en toi l'argent. » Didier Ouvrard. C'est pas n'importe qui, Didier Ouvrard, là. Il a travaillé avec des millions, des millions, des millions, des milliers de vedettes. Pis pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Vous voulez des noms? Didier, arrête de rire. Didier. Il peut pas, il est trop gêné, Didier. Non, mais lui, il ne monte que sur scène devant 2500 personnes, habillé en tuxedo. Moi, je ne suis qu'un pouilleux. Regarde-moi les cheveux, moi, Didier. Il m'a dit que j'avais les cheveux hirsutes. Il paraît que la gamine aime bien les cheveux hirsutes. Là, il m'a concocté un tour de chant. Et puis, entre autres, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Mais là, c'est sifflé, là. J'ai demandé à mes siffleux de me siffler ça, puis ils sont pas capables. Avec « C'est un beau roman ». C'est dans mon ton, hein? Alors, avez-vous remarqué, moi, j'ai un ré mineur. Et vous connaissez pas ça, vous autres, la musique. On parle à des individus qui sont approximativement intelligents, leur a baigné dans la formule des hits. Et quand ça mouille la formule, là, gagne-moi ça. Eh, ce son-là. Un rire intelligent. Et plus intelligent que ça, Donia, qu'est-ce que tu fais? Il a misère à parler. Qu'est-ce que tu deviens? Un premier ministre. Ah! Premier ministre de la francophonie. Ben, ça n'existe pas, le premier ministre de la francophonie. Je serai le premier. Hey, t'es fort, toi. Ben, fort. Je lève deux. Qui sait? Deux qui quoi? Deux je ne sais quoi.
tu lèves deux je ne sais quoi. En même temps, hein, un je ne sais quoi à gauche, un je ne sais quoi à droite, et ça fait deux je ne sais quoi en l'air. Puis là, Didier Ouvrard m'a dit que j'avais, parce que là, je reviens à mon ami Didier, parce qu'il voit en moi la vedette. Hein. Parce que tranquillement, là, il m'a dévoilé, ben, dans l'humour, mec, là, tire-toi. Il m'a dit, tire-toi dans le dernier. Il m'a dit, ça moi, Rénal Gagné. Je pleurais, j'étais dans le bar, là. Puis là, il a pris mes larmes, là, puis il voulait diluer, parce qu'il voulait pas demander au serveur une bouteille d'eau. C'est très timide, ce petit garçon-là. Ah, c'est... Tellement timide, là, qu'il a des lunettes, là. Puis quand ça va pas très bien, là, parce que, bon, mon discours est trop sinueux, trop... comment dire... Comment tu dis, toi, ma belle Isia? Comment tu dis ça, toi, Isia? Isia, je t'aime. Non, c'est... confus, un discours trop confus. On n'est jamais confus, nous autres, ici. La confusion, on laisse aux autres, là. Nous, on est dans le bon chemin. Le chemin. Alors, donc, quand il sent en moi la petite divergence intellectuelle, et là, les lunettes commencent à devenir brumeuses, là. Puis là, il ne voit plus rien. Heureusement qu'il a, à chaque fois qu'il y a un petit peu plus d'humidité dans sa lunette, il y a des essuie-glaces qui se mettent à s'agiter. Là, il a comme un rendu avec un tic nerveux parce qu'il regarde les essuie-glaces. Hop, à droite, à gauche, à droite. Là, il nous parle. On s'imagine qu'il perd connaissance aux 15 secondes. Hop, 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 hop. Il revient toujours à nous. Reviens à nous, il dit hop, 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 hop. Ah, en fait, je le rends malade. C'est un gars en pleine forme, mais avec moi, là, c'est... Je suis complètement malade! Ben, c'est pas moi. Ben, moi aussi, mais c'est lui que je rends ici. Ben, enfin, bref. C'est une longue histoire, là, puis on va clarifier ça en 2010, je vais le rencontrer. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.